Bonjour madame. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Maman, regarde. Il est joli. Tu le veux ? Oui maman, j'aimerais bien, je le montrerai à mes copines. Montre-moi lequel tu veux. Et voici un beau paquet. Merci à toi. 3 euros, je te remercie. Merci. Passe une bonne journée. Merci à vous. Madame. Au revoir. À bientôt, au revoir. Bonjour monsieur, je voudrais une brioche, s'il vous plaît. Merci. Merci. Maman, je peux donner ma brioche au monsieur ? Oui, ma chérie. Merci, maman. Maman, regarde, c'est le monsieur à qui j'ai donné oui, la brioche. Oui, c'est bien lui. Maman, le monsieur. 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 Allô? C'est pour une urgence. Tu sais, ma chérie, nous vivons dans un monde où de plus en plus de malheureux tentent de survivre dans la rue. Et malgré nos efforts, la misère grignote chaque jour un peu plus de terrain. Abandonnée dans un quartier sombre dans la nuit, sous une pluie battante, où j'aurais dû perdre la vie. Miraculée puis adoptée, j'ai été maltraitée. Je me suis échappée à ma majorité. Sans vie et sans famille, je vis dans un monde éphémère. Parti sur les rives et les galères de ces lieux de misère. J'ai survécu à la maladie, défié mes envies, oublié ma faim. Dans ce pays de liberté où je ne resterai à jamais qu'un orphelin. Je suis arrivé à me libérer de mes liens, de cette vie sans chemin, où beaucoup de gens croisent ton destin. Le visage clos, la haine dans les yeux, marchant sans lendemain. Vers cet avenir incertain, je suis devenu inhumain. Ma vie défile lentement dans le noir, dans les profondeurs sombres du désespoir. Reflète alors dans ce miroir une ombre dérisoire d'un homme sans âme et sans mémoire. Thank you.
La rue m'a rappelé, j'ai recommencé à mendier. Mais le regard des passants a changé. Les yeux baissés, le cœur déchiré, ils ne peuvent plus nous aider. Leur survie est devenue leur seule priorité. Sans un mot, sans un cri. Sans amour et sans vie. Sans un mot, sans un cri. Sans amour et sans vie. Gisant sur le trottoir d'une rue que j'ai bien connue. Sous le regard inquiet des passants dépourvus. Je me meurs lentement, sans plainte, sans sentiment. Ne laissant aucune trace de mon vivant. Personne n'est à l'abri. Cela peut arriver du jour au lendemain, à chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il faut aider les personnes en difficulté. N'oublie jamais que celui qui donne s'enrichit. Je comprends, maman. Quand je serai grande, j'aiderai les gens dans le besoin, promis. La misère grandit dans notre pays, dans notre monde. Mais j'ai la certitude qu'en offrant un bout de pain, des vêtements, une écoute ou juste un peu de temps, nous parviendrons à combattre ce mal grandissant. Abandonné dans un quartier sombre dans la nuit, sous une pluie battante, où j'aurais dû perdre la vie. Miraculé puis adopté, j'ai été maltraité. Je me suis échappé à ma majorité. Sans vie et sans famille, je vis dans un monde éphémère. Parti sur les rives et les galères de ces lieux de misère. J'ai survécu à la maladie, défié mes envies, oublié ma faim. Dans ce pays de liberté, où je ne resterai à jamais qu'un orphelin.